ceux qui viennent pour la première fois à Trois-Rivières, qui ont découvert Trois-Rivières et qui la découvriront bientôt par d'autres moyens, soit pour venir visiter le site, soit pour venir passer à Trois-Rivières pour aller au Sainte, etc., etc. En ce cas, je dirais aujourd'hui, exceptionnellement, que je souhaite surtout la bienvenue au nouveau maire de Trois-Rivières, M. Francisco Jean-Louis, et bah, également Madame la députée, Madame Hélène Becker, parce que c'est la seule commune de Guadeloupe qui a un maire neuf et un député neuf. Non. En tout cas, quand vous le vouliez ou pas, Trois-Rivières, c'est la commune modèle. En tout cas, vous faites de votre mieux pour aussi que vous ayez un nouveau maire et une nouvelle députée d'ici quelques jours. En tout cas, merci à tous et merci à la municipalité, merci à ceux qui nous font confiance et à tous nos collaborateurs et sponsors. Et j'espère que d'ici quelques mois, j'aurai d'autres choses à dire, surtout au niveau de la CSPT. Donc, nous n'avons pas été présents. Nous avons d'autres choses à dire parce que pour l'instant, nous sommes en sommeil et nous ne savons pas pourquoi. Alors, comme vous êtes donné et que vous allez encore plus loin, félicitations à vous et bon travail. Et nous sommes avec vous de tout cœur pour pouvoir continuer ce travail. Juste pour terminer, je dirais qu'il faut associer à tout cela Marie-Denise qui était déjà également le président de tourisme, il y a François Pulin également, et tous les autres qui sont présents, mon conseil d'administration et le personnel mis à notre disposition pour la municipalité. C'est très important et chapeau pour eux et félicitations. Merci, bonne journée à tous. Donc la municipalité, c'est un plaisir de vous remettre ce trophée et vous dire encore félicitations. Alors effectivement, oui, pour une première, je suis relativement heureux dans la mesure où la fête du 15 août, c'est la fête des trois riverains. Et aujourd'hui, chacun doit pouvoir s'approprier en fait ce moment de joie, ce moment de partage. C'est un moment important dans la vie d'un homme de pouvoir partager avec des amis, des visages qu'on retrouve. Et donc je suis très heureux que le soleil aujourd'hui brille, que la célébration a été belle, que la fête y est dans le cœur de chacun. Voilà. Ah ben oui, aujourd'hui, on ne peut réussir seul. La cité doit pouvoir prendre sa place, les quartiers doivent pouvoir prendre leur place, chacun doit pouvoir travailler, réussir pour que Trois-Rivières soit belle et pour que la Guadeloupe se porte bien. Toujours la sérénité, jamais de violence. Nous devons retrouver la paix, la sérénité dans le cœur de nos familles, dans le cœur de nos quartiers. La Guadeloupe a besoin d'apaisement. Nous demandons à l'ensemble des citoyens de pouvoir œuvrer pour cette paix, cette sérénité, dans l'amour.